RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci de suivre MKB's officiel, vos alliés belés, vos gens de Bissot partout à travers le monde. Merci na confiance, paix, fidélité, vos Olanda MKB's officiel, vos alliés belés, vos Olanda Bissot na Bamboka et belés, vos alliés na province. Bozali pe bipayi na bipayi tika nkolo nzambe apambola bino bisika nyonso bino bozali biso tozali na Kinshasa tozo sala mosala oyo ndenge longo bani bo lembate ko partager ba émission na biso bo lembate ko liker bo lembate ko commenter parce qu'ensemble avec vous tokokende musika MKB's officiel ezali chaîne na bino ya vérité MKB's officiel toza au cœur d'actualité tozo partager toujours liker ensemble avec vous pe ba abonner ya sika bo continuer ko s'abonner alors c'est facile je crois que ozola ndabiso vérifier ceux qui osa abonner ceux qui osa abonner te vas-y d'abord ko s'abonner après continuer ko landa émission baye oyo bazana ngote tinde la bango lien à partir ya lien ba ko kipe ko s'abonner to pe ko faire abonné batu mususu on a besoin tout monde nombre na bino école beaucoup ma ebelé 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 vraiment en ligne pour bopé sa biso makasi et bopé sa biso courage ya kokende musika pe ensemble tokozala très fort tozo betali solo comme boyebi d'habitude Azarias Roberoa Moïse Nyarugabu bo bango wana balinga ki ba voyager ba zui bango na niveau ya aéroport pour na nini bokoye ba dossier moko awa tango na yebisaka bino bande ko bo fongola misu bino bomona kango ne teza makambo ya blague nous vivons kati na biso na danger bo comprendre kate mais bomona makambo ezali pasi pour na nini awa tozo beta li solo ba linga ki ba voyager hein yé moko pressionnellement mais ba enquête moko ya États-Unis hein ya CIA benaben DI na ba service na biso awa ya mboka ba détecter ba monique musala oyo ba tubazali kokufa kuna nzoka Roberoa ba Murugabu wana ba Moïse ensemble baza cité bien que bazali ko confirmer te mais bazolo ba ke bazali cité na mai oyo matali biloko an alors si vous vous souvenez très bien na sala mission moko na lobaki ce qui bon moni tiseke da komi ko boya makambo ya mixage na brassage ndenge kabila banda ki ko sala eza pambate il connaît au moins quelque chose parce que makambo oyo ndenge zotalela ezali penza malamu te donc il y a un goût sur roche ah so mon ti sege da zo boya e boye na boye ko sangi sabatuan eza pambate lelo e komi clair ki bazaria sur beroa bazali na kati et vous allez voir les liens ce qui botali er moko boye un rwandais kombo na ye Bosco Ntaganda abomi ba congolais na mboko ya kosakana te tie comme na niveau que ces pays la cour pénale internationale et l'ancien marin mandat d'arrêt pour te bakanga mutual vous savez ce qui arrive à la fin ba boyi na kabila lobi pour na besoin humanitaire moyen bakanga ye ezati et je vous dis batikala kokanga Bosco Ntaganda te c'est lorsque la cour pénale internationale mettra la pression sur le Rwanda oyo aza mutu atinda kabango na Congo c'est comme ça que Rwanda akanga mutu wana a livra ye na ce pays alors que le monsieur azalaka général na mboka na biso vous imaginez à quel niveau Kabila ye na mboka oyo hein
Alors, général Nambo Kanabiso, c'est le Rwanda qui l'arrête, peut atteindre la Cour pénale internationale. Mais le comble est que Dango et Salamaki, le Messie a tiré les lois dans ces pays. Donc, on est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Et même après le Waya Mouzé, Azariel Souberoua, Oyo, Bazoka Bola Baposte, Nyonso, je ne sais pas si un complot dans le monde. Bazozo poste, il y a défense et sécurité. C'est ça même Bomo Yamboka. Servi Yamboka Yangoana. Défense et sécurité. Vous savez, on a donné ça qui Azarias Ruberwa. Et il a permis que les Rwandais ne soient pas là. Vous n'avez pas l'idée. Mais maintenant, avec les éléments que nous avons aujourd'hui, Azarias Ruberwa. Bazana financement moko. Vous voyez? À partir des États-Unis, Banyamulenge. Et d'ailleurs, sans pour ne pas tomber dans la victimisation, pour l'histoire, Banyamulenge, Bazala Kate. Moulenge, Ezangomba moko, Boyezana Est. Tozana tribu moko na Congo Banyamulenge bazala kate. Vous voyez? Tu sais que dit tango zui pouvoir pour ne pas donner parce que ba se victimiser kamingi biso balingba bonga biso po toza balibike toza boye et biso Banyamulenge tout ça. Tu sais que dit le bazala ba congolais conformément à disposition là où le bakike ba union sous ba botema avant même indépendance tous ces bakomi ba congolais les autres sont nés ici grandis ici dans ce sens là. Second par exemple un français un congolais a gagné à Paris à Botikuna selon législateur yakuna je sais pas à cause de la France mais il obité que le colo commun français au commun n'a droit ya cause même na mabelete. On ne veut pas tomber dans ma gamme de victimisation, mais il faut être la claire. Alors, au Komona, au Yamouke Murugabu, au Kolandape, na Azarias Ruberwa, na ba info tozanango, à partir des États-Unis, bazana ba lobbying, na ba ngobabenga ba Banyamulenge, ba koltak ba rekoltak ba mbongo, pe ba yakanango ba finisaka ba groupe armé. Et c'est ce groupe armé qui continue à tuer. TVZ Radio de l'Ordre, c'est le même fond de il y a des éléments. Et maintenant, quand ces soupçons sont émis, nos services, il y a des infos, il y a des collaborateurs, il y a des services aux États-Unis, il y a totalisé des infos, il y a des symbioses, il y a des implications, il y a des implications, il y a des battus. Yango mona kabazawa insécurité boyena bonzoka bango moko ba numéro 1 moko za député national Moïse Nyarugabu même avant tanda ko chele maoyo vous allez vous souvenir que to chele ma moko oyo na niveau ya palais du peuple assemblée nationale bazu mukano ya kolobake ko banda lelo. Soldat Mokote ya Rwanda, Oyako Simba Munduki, Ana droit Mokote ya Kokota na armée na biso. Bomona ka koma Murugabu wana atelemi ye moko aye kobunda na façon que non atikala na ngwende. Non, tozo lingate décision wana, isa décision ya mabe malamu totika. Na ko rappeler une peu vidéo na ko chere binango le pour vous comprendre. Donc nde Azarias Ruberwa asia comprendre maintenant que makambo na bango e dimina poisa et que ba élément ya reba rébellion oyo bango bazo sala e bimi ba changer forme. Lobby a linga ki akima ba kangiye lobby na aéroport ya Ndili. Ba lobby messieurs moyen au voyager exacte tikala awa et dans ce sens là que azali ko se retrouver maintenant aluka moyen ya ko justifier ba fait oyo
bali ko reprocher ye yango. Mais je ne pense pas gaza ye moko. Et moi nde place la comprendre ka mbo sauté. Pombo soit le bakao, chers collègues, quittez les groupes armés. Mbo soyez biba député au bazana ba groupe armé. Depuis annonce solgana ywan, si les lots ba tsikali ko kanga moko te maintenant les lots ba enquête au ba journaliste ba sali et bimisi député ya liboso Moïse Nyarugabu. Ywana Murugabu. Hein? Je ne suis pas un ministre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, je crois que comprendre que quand tu as une vidéo, tu as une vidéo. 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 Tu as une hein, Bolié, Bomeli, Bozuba poste, hein, non seulement Bozuba poste, Bozuba nanabiso, Bobo disi bango bana, c'est qui on a un bon réseau comme Sangai, bah ou arapé baye ao, tout le monde a problème t'es, mais bah ou arapazaga de la thermos pembeni, ni au café, biso ao atomela ka café, mais café na bango, tala liboke ya poussière. Mouke, café, mouke, t'as la poussière belle. Et n'est qu'on constate que banana bisognon soya basse. Basse, c'est ma badjingariwan. Nini, n'a comprendre te. Nini, n'a zo comprendre te. Ou y'a biso, d'un bogo, y'a zo zo bisognon, bozo zo mire, bozo zo basse, bozo zo tout. N'a gomme rien à peu se langana non. Nano, café en gros, c'est bon, en gros, Valdien en Amérique. Café, y'a pas mes athées. So, bâtier poussière. Poussière, y'a ni, n'a soyez bâti. Moko, tout ça, n'a mélange à papaya. Mais, toi qui parles à ma mote. So, qui boye, mais là, café, tcha poussière, so, tcha pa, maba, y'a tcha. Moutoko, tungi, so, li kamboisate. Mais, so, qui est comme si, ko, y'a kobundi, sabiso. Oza na mboka na biso me bo bandi pe ko luka ba groupe armé bo financer pe bango ah Rubero tebeza rajote bo kabino moko makambo Rubero basi. Selon nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente dans le au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand, bonsoir et merci d'être bonsoir. Avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des Hauts Plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneo. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain, par l'association, au travers de ses membres, en fait. Et ces membres sont issus de la communauté, de la diaspora Banyamulenge, qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors, une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ?
Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs, donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, hein, ces fonds collectés, hein, qui seraient collectés par cette association bénéficient d'un, entre guillemets, d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, hein, donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté banyamulenge, qui est une communauté quand même qui subit de longue date justement la stigmatisation, qui est réprimée, qui pour quelle raison? Parce que depuis des années, elle est sujette à des critiques sur la remise en question plus exactement de leur congolité. Donc c'est une question qui a trait à l'identité. Et en fait, elle fait face aussi à une myriade de milices tout autour de la zone des Hauts Plateaux qui, justement, s'opposent à ce groupe armé. Alors, cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association? Alors, oui. Alors, c'est en fait le FBI, enfin potentiellement, hein, moi je ne suis pas du côté des services de sécurité américains, mais le FBI, en fait, a compétence pour justement enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Alors avez-vous interrogé MPA au sujet justement des soupçons qui planent sur elle? Absolument, on les a interrogés, ils ont été catégoriques, ils nient absolument tout appui financier, en tout cas ce groupe armé, donc on appelle les Twirwaneo. Et en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Twirwaneo qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené en fait par un ancien officier de l'armée congolaise qui a Michel Rukunda alias Makanika. Donc, voilà, qui est cet homme précisément? Bah justement, c'est un ancien officier supérieur donc des FARDC, donc de l'armée congolaise, et qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté banyamulenge. Et en fait, il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire justement un groupe armé, parce qu'à l'origine les Twirwaneo, c'est un groupe d'autodéfense, en fait c'est un groupe qui s'est constitué justement pour se prémunir des attaques des autres milices Mai Mai qui les entourent. Alors d'après votre enquête, hein, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC? Alors c'est des soupçons en fait qui sont assez récurrents, mais alors certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains émettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi, et ainsi qu'un ancien ministre et un ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Ruberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Olivier Liffrand, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette enquête à lire sur le site africaintelligence.fr. Merci à vous. Merci. Alors, Bolandi, non? Bolandi, Azarias Ruberwa na Murugabo. Mais maintenant, Batoy, Yango mouna kapé même ensemble national le fouba verrouillé Yango. Docteur Nabisomogo et Bissenga na Tonga et à niveau de Saint-Pierre Awa. Et Zana Waramago et Gendo Zouakat. A sa pèse que même naba, ba policier 10 dollars. Hein? 10 dollars ou un appoint sur carte.
chance garçon moko yeko dénoncer alobi naye yozawara yozawara mutambu sikafe njoka omuno ka monde zano kafa ngo valdia za fan na ngo alobi ila musage biloko anzoto courage hein mais donde alobi awo ezo kanga pema hein ezo kanga pema donc je sais pas si ezo kanga pema ya nini ezali ko couper sa moto passe donc mutuna mutuna lo lenge na ye ngande vraiment na mona ka poussière wana na milagate zoman awa secret bimi tant la lobe na mission nani valdi et la musaka ye biloko courage et longole pungi donc ne dondi pe mo ko se kaka ye pe alors mutuna mutuna secret na ye vous allez voir que na mboka mna ba pa ya batondi toza na problème na ba pa ya te toza même ba congolais pe baza di banda na Rwanda pe ba congolais baza na Burundi partout batu bazali mais dès que bokomi na mboka ya batu boloka moyen ya kosa comme c'est très bien boyo kana niveau ya assemblée nationale na hotel bino élément moko Moïse Nyarugabo batangiye boyoki non. Ce sont les Américains qui confirment que non, Ndenge Zawana Yena Zaria Surberwa, Bazali Ono, Yaelo Komoko Soke Banyamulenge, Bazulenge Ba Diembela. Hein? Baloka Moyako Diembela, Ba trouver encore opportunité, Yako faire encore Kozongi Samboka Nabiso Sima. Est-ce que vous comprenez ça? Bala Moussaka Batouba Kouf, et les gens continuent. Ce qui m'étonne au Gomona Ono, on tue la minorité. Mais quand ils financent Batouana, ce n'est pas pour la minorité, c'est pour tuer les peuples congolais. Et là, on n'en parle pas. Même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là où j'ai condamné le citoyen Mbosso. Il y a Yéba qui vient Batouana, mais Azolo Baté. Et bon, on a qui débat à Souka Makamboula, qui est dans l'Assemblée nationale. Il défend les Rwandais, mais dans l'Assemblée nationale de Nabiso. Oh non, Ndenge Zawana, Bango, Bakokiko, Kondimali Susute, Bamona, Mutumoko, Oyo, à s'opposer que ma rebelle. Bakota Narme, Eza Kouloir Moko, O Ezo Pesa Kimia. C'est ainsi que tant même 23 Babanda qui basala qui sent. Mais tant que Bayoko Koma, Bamatissa, Bayoko Koma 500. 500, il fallait que c'est la mon armée, que tu sais que y a Boyi. Donc, Boga Moti Kalaka a infiltré, 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 infiltré. Même au niveau du Parlement. Et on leur donne même la parole, c'est ça le comble. Va défendre l'idée d'infiltration jusqu'au bout. Donc, va servir ce Nabiso qui était ça qui a Zaria Surubero à voyager. Nangambo Moussous, va vérité, va du Kobima. Mais c'est quelque chose qui a été préparé en amont et en aval. Biso Mokoba Kolomboka, tout Fongola Misu. Il y a des choses, je sais que biso tous à la vigilant. Botomoko takoko sa biso. Biso moko tous à la vigilant. To bonde la mboka na biso pour être to défendre intégrité territoriale ya mboka na biso. To la kaka peuple souverain, souverain ya monokote. Ça la peuple souverain na ba fait. Moi je condamne l'Assemblée nationale. Citoyen Mbosso, je ne sais pas pourquoi Tilelo Azo Bomba Bato ya yeba ki bien que bazana ba groupe armé. Et ces mêmes personnes bah cité bango nde lelo bazana courage à défendre au niveau assemblée. Vous allez voir que toko kiko matako kita. Mais vérité ko tika la vérité. Bukolanda moko na bango Murugabu na niveau ya assemblée nationale. Botala commence au bout de la barouande et puis ma pessi est temps à s'expliquer pour nanin yazo senga
qui va permettre aux rebelles, net même 23 ans, les rebelles qui sont tous les Rwandais, qui ont agressé, lui plaide déjà, qui ont un rapport pour qu'il soit en armée. Mais il y a un niveau d'assemblée nationale. Mbokananga Congo. Mbokananga Congo. Et que les autres la catholique. Tu veux rajouter. On suit. On revient juste après. J'ai suivi avec attention le projet de recommandation tel que lu par l'honorable rapporteur et nous distribué par la suite. Avec la petite suspension, j'ai eu aussi le temps de le lire. Deux petites choses me posent problème dans cette recommandation, Monsieur le Président. La première, déjà dans le titre, on parle des éléments des groupes armés terroristes et autres. Ma question est de savoir, c'est quoi autre? Quel est son contenu? Qui le détermine? Qui est le juge de ces autres? Je considère, honorable président, qu'une telle imprécision, une telle ouverture pour une pareille grave décision peut conduire à l'arbitraire. La deuxième chose se trouve dans le deuxième point, là où il est dit, en attendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale, 1. Déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ici, je pensais qu'il avait déjà été déclaré terroriste parce qu'aujourd'hui, les positions du gouvernement de ne pas négocier avec le M23, c'est parce qu'il considère qu'il est un mouvement terroriste. On va le déclarer deux fois terroriste. Ou c'est rivaliser, s'il vous plaît. C'est lui qui a besoin d'avoir la parole, il n'a qu'à venir ici. Laissez les collègues s'exprimer. Je dis, on va le déclarer deux fois terroriste, ou c'est pour que le gouvernement, disons l'Assemblée nationale, l'ait dit aussi. Mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est au deuxième point. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage, et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des FARDC, ainsi de suite. Honorable Président, pendant une période comme celle que nous traversons, des moments difficiles, fermer toutes les portes aux négociations, à mon avis, je considère que c'est une erreur. Collègue, vous allez chacun intervenir. Collègue, s'il vous plaît, collègue, tolérance. Laissez les collègues s'exprimer. Je pense, Monsieur le Président. Collègues, laissons les collègues s'exprimer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, allez-y, collègue. J'assume mon avis. Chacun en assumera le sien. J'assume mon point de vue devant Dieu et devant l'histoire. Et chacun assumera le sien. Je considère, Monsieur le Président, que cette question, une pareille décision, devait être laissée à l'appréciation du gouvernement
au cas par cas. Mais si la majorité en décide autrement, elle en assumera aussi la responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègue. Honorable député, chers collègues. Autre, ce que nous voulons dire par là, à partir de maintenant et pour plus jamais, et pour plus jamais que le pays connaisse encore des groupes armés. Tozo Okana, maintenant et pour plus jamais, que ça n'arrive plus. Nous avons eu assez. J'entre maintenant dans le contexte de 2003. Le collègue Niarugabo, qui vient de prendre la parole, a été avec moi dans un groupe, dans un parti, nous deux. Nous avons connu, le pays était réparti, suivant que les collègues, le pays était réparti. Chaque groupe armé avait une partie du territoire national. Bon, la sagesse de l'époque a conduit à ce que tous les groupes soient mixés et brassés. C'est ce qui s'était fait. Mais il ne faut plus que ça continue. Celui qui veut entrer dans l'armée, qu'il entre. Qu'il soit recruté comme on est en train de faire maintenant. Mais passer toujours par les groupes armés pour entrer dans l'armée, dans les services, ça, il faut arrêter quand même. C'est là, en fait, l'esprit. Parce que si chaque tribu doit avoir son groupe armé, alors on ne sera plus un pays. Hein? C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cet esprit-là. Alors, est-ce qu'il y a des accords qui ont été négociés pour intégrer les groupes armés? Je ne les connais pas. En fait, je ne les connais pas jusque-là. Qu'est-ce que nous avons interdit? Dans l'armée, il ne faut pas créer un groupe armé pour citer, pour venir entrer dans l'armée nationale. Non. Entrer comme citoyen, c'est bon. Quelle que soit votre province, votre territoire, maintenant on recrute, vous pouvez aller vous faire inscrire. Mais ce que nous ne voulons pas, il ne faut pas que ça soit l'alibi de certains pour entrer dans l'armée. Tu l'as dit, Angoko ? Là. Alors, nous n'avons pas fermé les portes aux négociations. Parce que, prenons, le chef de l'État ne dépend pas de l'Assemblée nationale. N'a aucune responsabilité devant nous. Il est le commandant suprême. Mais nous nous disons, dans l'armée, Moutoua négocié. Moutoua compte de sous-souté. Faites-vous recruter. Si on vient nous dire que à Nairobi, je ne sais pas où on s'est entendu, bon. Boye ba kozala d'accord ba kolba d'accord mais biso to boye. Mais les négociations politiques, ça, c'est notre pays. On ne va pas fermer toutes les portes à tout. Mais elles ont la peine limite.
Donc, je ne crois pas qu'il y ait des engagements qui ont été pris que nous mettons en cause. Je ne crois pas. Ceux qui sont entrés dans l'armée, qui sont brassés, qu'ils deviennent des bons citoyens congolais, qu'ils défendent le pays, nous leur souhaitons bonne chance. Personne ne met ça en cause. Ils sont là, ils seront là pour servir la nation. S'ils ne servent pas la nation, il y a des lois pour sanctionner ceux qui sont devenus des traîtres dans l'armée. Voilà, je crois que vous branchez, restez branchés, partagez, abonnez-vous, likez. Si les séries ne revenaient pas, la zone est tout à l'heure. Merci. Bye. RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.